Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux. On est toujours le mercredi 15 avril 2020, 13h32 heure du Québec. Juste un petit partage rapide de deux autres tremblements de terre majeurs qui se sont produits avant d'aller faire une autre séance de yoga, la deuxième de la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous gardez l'équilibre et que vous restez zen, loin des nouvelles stupides, des idioties qu'on peut lire sans cesse sur les... Je vais voir ça et ça me fait tellement rire. Et c'est tellement du n'importe quoi, puis c'est tellement une répétition de ce qui s'est passé il y a un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans. Toujours des commentaires, toujours des idées farfelues, des gens qui veulent toujours mettre leur grain de sel. Puis franchement, c'est une perte de temps incroyable. Donc, restez loin de ça. Moi, j'aurais été, avant ma transformation, le premier à vouloir tout commenter pour me torturer, passer des journées là-dessus. Je suis content d'avoir vraiment d'autres choses plus importantes à faire que ça. Pendant ce temps-là, on va juste aller voir l'activité sismique d'aujourd'hui qui se poursuit. On est en Argentine, toujours dans le même secteur un peu que tout à l'heure, mais on est plus au sud. El Hoyo 5.3, ça s'est produit il y a quelques heures à peine, mais une profondeur quand même de 569 km. Donc, je ne pense pas que ça a été ressenti, mais quand même, on l'a mesuré. Et l'autre, c'est au Japon, près de Nago, à 108 km de Nago, lui à 10 km. 5.4, là, il pourrait avoir, il y a aussi, c'est il y a quelques minutes à peine, plus de conséquences face à ça. Donc, je vous tiendrai au courant s'il y a des développements dans des dommages ou des victimes. Mais on nous dit que c'est de 10 km de profondeur à 5.4 au Japon, à Nago. On va aller voir Nago d'abord, où c'est situé, si c'est une ville ou un coin plutôt... densément peuplé, ou si c'est juste... souvent, hein, au Japon, il y a des endroits où il n'y a presque personne qui vit, c'est des coins perdus dans l'océan. Est-ce que c'en est un autre, ou... C'est une ville située dans la partie nord de l'île d'Okinawa, préfecture d'Okinawa, au Japon, en décembre 2012. La ville avait une population estimée à 61 700 habitants, avec une densité de population de 288 par kilomètre carré. Donc... quand même, il y a un petit peu de monde, mais pas beaucoup de monde. Mais sûrement que peut-être ça a frappé au large. Il y a plus de chances que ça ait frappé un peu au large. Ou en tout cas, on verra bien, mais c'est toujours inquiétant quand il y a des tremblements de terre dans le coin du Japon pour les risques de tsunami et surtout de cette fameuse centrale de Fukushima. Je vous reviens après le yoga. Namasté.